Je voulais commencer par saluer tout journaliste qui là dans le cadre point de presse qu'a réalisé par la direction de l'établissement. Marius Lévy, moi je voulais saluer tout internaute, tout le monde qui peut regarder à travers les réseaux sociaux, point de presse. Moi, je voulais saluer les collaborateurs moi, dans l'école là, enseignants, enseignantes et tout le personnel là. Saluer le conseil d'administration de l'école là, Timon Met Mayo et toute la famille. Et qui raison d'être point de presse ça aujourd'hui, hein, qui c'est dimanche 27 mars 2022. C'est pour point de presse ça réalisé par direction de l'institution Marius M. Lévy dans le cadre de la célébration de cette institution. Ça veut dire l'école ça, institution ça a célébré le 4 avril 2022, 4 avril qui a venu là, 90 ans existence li, 90 ans fondation. Nous voulons croire que son gros événement pour le pays et son gros événement particulièrement pour la ville du Cap. Donc, direction l'école là, conseil d'administration, corps enseignant, tout personnel là, pas de vle passer bagay ça comme une lettre à la poste. Yo te jugé bon pour te marquer événement ça dans l'histoire qui inscrit dans l'histoire chère cité noire, cité capoise là. Donc pour cela, point de presse là organisé pour nous capables renseigner moun yo pendant n'a renseigner informer yo de événement n'a tout profiter font tirer sous établissement lui-même. Dans l'année 1932, 90 ans après un terrible tremblement de terre dévasté Ville-au-Cap. Ville-au-Cap ta pral prend 110 l'année pour le refaire tête li. Dans moment côté au Cap après fait tête li, yon groupe nèg au Cap natif natal pral paraître dans différents horizons, différents domaines. Yo pral jeter base développement durable Ville-au-Cap. Parmi moun n'a parlé là yo, nous pral cité yon qui c'est Marius Lévy que moun au Cap te kon rele metma. Tout moun ki nan a fait l'école te kon di metma. Metma fait au Cap dans l'année 1909. Papal qui c'est yon immigré fèl ak yon nèges yon haïtienne qui te rele Alicia Azemar. Metma yon héros haïtien, yon héros nan mitan l'autre héros nan époque la. Pour al jete yon base irréversible, li pral louvri yon l'école le 4 avril 1932 que la pral rele l'école Antenor Firmin. L'école ça pour elle commencer à 4 garçons. Bon pas excusez-moi à 2 garçons. Yon petit maintenant avec on l'autre monde on l'autre petit garçon, petit garçon ça après devenir un gendarme plus tard. Quelques années après, maintenant pour le trouver dans la situation pour le changer dans l'école là, parce que l'État haïtien pour le fonder en l'école lui-même tout au Cap, en l'école petit garçon que le pour le relais l'école Antenor Firmin. L'école là pour le porter même nom avec nom l'école maintenant fondée en le 4 avril 1932. La pral gen même uniforme kaki que met maté gagné. Alors faut me rappeler nous moi même Henri Claude Maniga met concon
son ancien élève l'école là. C'est dans l'école ça me dépassait tout. Donc, li pral obligé les mettre ma ouais que l'État haïtien fonde l'école, que rele l'école Antenor Fiomain. L'école ça a longtemps mon au capté qu'on rele l'école Jacques Georges. Il trouvait de tout près l'op monter bon l'hôpital Justinien. Donc, mettre ma pral changer non l'école par là, il a retiré non Antenor Fiomain, il pral rele l'école Marius Lévy. Et bon dans l'école là, c'est institution Marius M. Lévy, ci-devant qui était institution Antenor Fiomain. Donc, l'école là fondée le 4 avril 1932. Donc, 4 avril 2022, cap vini là, l'école là pral célébrer 90 l'année. Toute une série d'activités mettait en branle pour nous capables de célébrer 90 ans l'école là. N'a fait match football, n'a fait matinée créative avec Timounio, n'a fait famille mettre ma petite li a fait une messe pour songer mettre ma. Ensuite a fait une messe d'action de grâce jour même anniversaire qui c'est le 4 avril 2022. Parce que événement ça, c'est pas un événement ordinaire, son gros événement. Donc nous voulons bagay ça, yon vraiment yon, comment tu as dit ça, sonner bat grosse caisse autour de cette affaire. Nous voulons battre la grosse caisse autour de cette affaire. Parce que nous voulons le plus de monde possible touché par cet événement là, au Cap et dans le pays et diaspora même à l'étranger. Diaspora même. Donc, c'est dans ce cadre-là que nous organisé point de presse là pour nous capables de mettre Mounio au courant de grands événements qui pourraient célébrer, nous pourraient célébrer le 4 avril qui est venu là. Nous voulons, c'est pas sans difficulté, 90 ans, traverser 90 ans. Qu'on ait 90 années d'existence, ce n'est pas sans difficulté. L'école a plus de difficultés. L'école a passé dans plusieurs locales. Dernier local, c'est le local Louis XIV, côté que moi-même, j'étais l'école là-dedans. Et l'école et local qui ici, nous là-dedans, là, Louis XVI et XVII, c'est le dernier local. Li. C'est le ça a le gentil maître gentil maîtresse donc il est là. Donc nous croyons que l'école là traverse le temps mais avec pas assez de témoignages d'affection de la part de l'État haïtien de la part de nos gouvernements. L'école là t'es qu'à joindre plus support, t'es qu'à joindre plus appui de l'État haïtien. Parce que si nous regardons, il y a discrimination. Parce que si nous regardons, et après le concordat de 1860, les hommes finissent signer accord avec l'État haïtien, le gouvernement de Geoffroy, eh bien, le gouvernement haïtien pour bas l'Église catholique, tout support nécessaire, toute infrastructure pour le capable de faire l'école dans le pays. Donc pourquoi pas? Yon moun nan dimension metma pa ta kapab jwenn au cours des ans la fin prouve li ki fè yon institution privée nan dimension ça pa ta kapab jwenn support appui l'état haïtien même jantou. Donc nous croyons que l'école Marius Lévy pour une institution privée pas jwenn assez de témoignages d'affection de la part de nos gouvernements. Merci. À l'école là seulement au niveau de primaire ou bien il vient dans quelle classe? Nous gagnons première année fondamentale et premier cycle fondamental, deuxième cycle fondamental et nous venons tout juste d'ouvrir la première classe du troisième cycle fondamental. C'est-à-dire la septième année. La septième année, c'est la première promotion. Au moins, dans la classe, ça même que nous y est là, c'est la classe septième année fondamentale. Là.
Merci. Un dernier mot pour terminer. Bon, nous remercier nous et journalistes qui te mettez nous à la disposition de direction l'école là pour point de presse ça. Nous disons merci. Nous remercier moun kap gen pour ouais point de presse ça et nous compter en pile sous support surtout les anciens élèves de l'école. N'attendio, nous compter en pile sous soutien yo, sous support yo pour aider nous dans la gestion. Numéro de contact c'est numéro PAM 33 27 12 19.